Ça fait 6 mois que j'attends ce truc. J'ai prié tous les jours, j'ai fait la danse de la pluie, tout nu autour d'un feu de camp avec une plume dans le cul, mais chut, ça reste entre nous. Et enfin, le voilà, salut, c'est Motor Seb, et aujourd'hui, on va parler du DLC Le Mans, enfin du DLC Endurance d'Automobiliste 2. Ouais, je sais, hein, si t'avais pas compris ça, je suis désolé, je peux plus avoir grand chose pour toi. Alors oui, j'ai décidé de te tutoyer. Parce que voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît tous les deux. Et en plus, t'es abonné à ma chaîne. Et voilà, donc pas de chichi entre nous, hein, fais pas ta sucrée, c'est... voilà. On se tutoie maintenant. Avant de démarrer, bien entendu, je voudrais en profiter pour te souhaiter une très très bonne année 2024. Je sais pas pour toi, mais pour moi, elle démarre bien, hein, voilà, avec ce magnifique DLC. Donc, tout plein de beaux chronos et tout. Et donc, on va pouvoir maintenant commencer les choses sérieuses avec ce magnifique DLC qui est arrivé pas plus tard qu'hier sur Automobiliste 2. Et donc, je suis en train de parcourir ce fameux circuit du Mans. T'avais remarqué quand même. Ah. Bon, à bord de cette incroyable, ouais, on peut le dire, incroyable BMW V8 hybride, donc une hypercar, voilà, qui est absolument incroyable au niveau de la modélisation, au niveau du son, au niveau de tout. Elle est juste géniale. T'as entendu ça? C'est terrible. Donc on est là dans le tour de sortie, ensuite on ira faire un petit tour embarqué où je fermerai ma tronche et puis comme ça bah, tu pourras vraiment écouter et profiter du son de ce joli petit engin. Et donc ensuite on se reprendra pour le mot de la fin. Donc ce DLC Endurance Pack Part 1, il arrive avec quoi? Alors déjà il faut savoir que ce pack... il est en essai gratuit jusqu'au vendredi 5 janvier. Donc après, il passera disponible à l'achat pour la modique somme de 9 euros. Ah ouais, c'est comme ça, hein, c'est Reza. Reza, c'est du DLC. Et j'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais... hein. Donc ce pack, il arrive avec le circuit du Mans dans une version récente, ainsi que du Bugatti. Donc le petit circuit, que j'ai pas encore essayé, mais ça va pas tarder. Et il arrive également avec 3 hypercars, à savoir donc la Cadillac, la Porsche et cette BMW. Il arrive également avec des nouvelles GT3 qu'on testera bientôt. Donc il y a 3 nouvelles GT3, ou 4, je sais plus. Et dont la Porsche 992, donc moi content. Et là, je vais me couiller parce que le monteur, il va couper et il va passer au tour embarqué et il va même pas me laisser finir ma phrase, je suis sûr. C'est un connard. Mais allez, je vous reprends juste après, hein. We'll be right back.
Alors, au début, je voulais te dire de pas faire attention au chrono parce que voilà, hein, c'est Seb qui est au volant. Mais au final, je me suis rendu compte que j'étais dans les chronos des pilotes aux premiers essais. Donc, bah, moi content. Hein, puis quand je suis content, je vomis. Et j'en étais à faire le détail un petit peu de ce DLC, hein, avant que ce connard de monteur me coupe la parole. Donc, ce pack, comme je disais, donc il y a le circuit Bugatti et le circuit des 24 heures. On a 3 LMDH, donc 3 hypercars, la BMW hybride V8, la Cadillac V-Series R et la Porsche 963 GTP. Et des nouvelles GT3, donc avec la classe GT3 Gen 2, avec la BMW M4, la McLaren 720S Evo, la Mercedes AMG GT3 Evo et la Porsche 992 GT3 R. Alors, je ne vais pas te faire non plus le récapitulatif de la mise à jour parce qu'il n'y a rien de plus que ce que je t'ai dit dans la précédente vidéo qui la présentait, hein, donc je te laisse aller voir en fiche. Et donc, bah voilà, ce pack qui était annoncé depuis juin, hein, depuis la développeur update de juin, je l'attendais vraiment très fort, et donc enfin elle est là, et franchement, je suis super, super content de la qualité de ce pack. Les bagnoles sont juste incroyables, donc je te les ferai découvrir très prochainement. Donc, on peut bien entendu s'attendre à une course en VR sur ce même circuit. Je ne sais pas encore si je la ferai en GT3 ou en LMDH. Enfin bref, tout ça on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain, je sais plus. C'est l'alcool ça. Si, bah oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est la vieillesse aussi. AMS2 va bien entendu revenir sur la chaîne avec des courses entre abonnés. Et bien entendu, on va se faire un petit tour sur Le Mans. Hein, parce que, bah, quand même, quoi. C'est obligé. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une course entre abonnés sur AMS2. Voilà, alors donc, dans la mesure où je pourrais pas faire ça cette semaine, on sera plus dans la période de gratuité du mode, enfin du DLC. Donc, j'espère que tu pourras t'acheter ce DLC pour venir rouler avec nous. Et puis, bah, sinon, j'essaierai de te proposer un joli spectacle à regarder. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, hein, de tout ce truc-là. Bien entendu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne route, une bonne année aussi. Et bien entendu, surtout, sois sage au volant. Tiens à vous.